Salut les Maldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui depuis Londres. Je suis en compagnie de Camélia le monde de Harry Potter et Laetitia Beaujard qui sont juste devant. Et je vous emmène à la Harry Potter Photographic Exhibition. Donc c'est une nouvelle exposition en lien avec Harry Potter qui a démarré à Londres il y a quelques temps. Donc on va aller voir ça. Et on va surtout aller boire de la bière au beurre, les gars. À mon avis, les photos vont être... J'y crois, mais vraiment j'y crois fort. Ouais, tout est relatif. Celle-là, elle est marrante. Je préfère celle-là. Celle-là est pas mal. Elle est marrante, ouais. Celle où vous attrapez le billboard, elles sont pas mal. Hein. Ah, j'aime bien ça. Oh putain, c'est stylé. Oh non. Oh la tête. Oh, le détourage, c'est quelque chose. Hein. Camélia m'a fait faire une bêtise. C'est pas moi, hein, c'est elle. Ah non, on avoue, c'est la faute de Camélia. Un peu. Voilà, merci. Elle m'a fait acheter une baguette à 60 livres ce matin. Alors, ça n'a rien à voir. Mais, donc du coup, on a pris les photos lenticulaires. En vrai, on va avoir des gueules dessus, ça va être n'importe quoi. Ça y est, on a les photos. Camélia, elle m'a fait acheter ceci. Ça bouge. Alors ça, les gars, c'est le retourneur de temps de Harry Potter et l'enfant maudit. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la pièce ou n'ont même pas lu le livre, en fait, ils trouvent un vieux retourneur de temps qui leur permet de retourner plusieurs années en arrière, plusieurs dizaines d'années même. Et le retourneur de temps, il a été designé de cette manière. Il y a des reflets parce que bah, il est en vitrine, mais franchement c'est cool de le voir de près. C'est trop marrant, ça c'est du coup ça c'est les Bertie Crochu de Cursed Child quoi. Qui ont été redesignés pour la pièce, ça c'est les fondants de chaudron. Ça c'est Peppermint Bugs, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça c'est trop marrant, ils sont trop bizarres leur drague et surprise. Hein. Enfin, ils sont probablement très gros pour qu'on les voit un tout petit peu de loin. Ouais, c'est des espèces de chamallows on dirait en fait. Mais c'est grave intéressant. Ouais.
Let's go tester ça. Alors. Ah non. Le chapeau, il te fait pas rêver. C'est de la pâte à glace. Enfin, c'est de la, un cornet de glace mou. Mais par contre, c'est super. Moi, j'ai pris un petit lingot avec un petit galion en chocolat dessus. Il a l'air bien, bien fat. Hein. Donc, il faut faire en hauteur. Ouais. Voilà. À fond, ça va mousser. Ah, évidemment, voilà. N'essayez jamais les tutos de Gwen. Oh, c'est trop joli, regarde. Ça fait vraiment de la pire peur. C'est le plus mignon. Ah, c'est trop bizarre. Juste senti la vanille. Ah ouais. C'est à la vanille ce truc. Et j'ai toujours détesté le coca vanille. Pourquoi est-ce que personne ne l'a prévenu? Bah oui, tu vas toujours en fait. Si tu elle adore le coca vanille, je trouve que c'est personnellement très répugnant. Et ça, ça l'est tout autant du coup. Ça va kiffer. Bah vraiment à ce point-là. Oh bah non. Franchement, c'est imbuvable. Je regrette de l'avoir à ouverte. Harry Potter, c'était trop cool. Alors en soi l'exposition, les images, les photos et tout, c'était vraiment sympa. Après nous on n'a pas appris grand chose parce que bon bah voilà, il y a Titi qui est là mais mais voilà, donc on n'a pas appris énormément de choses, mais les photos hop étaient vraiment cool, les gens étaient vraiment sympas, il y avait quelques props, il y avait quelques costumes, dont un costume d'Hermione que j'avais jamais vu, donc j'étais trop contente de le voir. Alors on est allé au bar à bière au beurre, le bar à bière au beurre il est splendide, mais la bière au beurre, franchement je sais plus quoi leur dire. C'était atroce la bière au beurre, vraiment c'était atroce. C'était... partout c'est un truc de ouf. Donc c'était vraiment atroce, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait un espèce de coca à la vanille, mais au diabète, genre au sucre encore pire que le coca, enfin c'est-à-dire que non en fait, genre c'était horrible, mais franchement c'était trop cool ce petit bar à bière au beurre, moi j'ai kiffé, on s'est bien amusé pendant les photos hop, Camélia m'a fait acheter une photo horrible qui va finir dans mon placard, qui va ne servir à rien, mais voilà, je suis restée raisonnable sur les trucs, je vous ferai un petit haul évidemment, enfin bref. Je vous retrouve dans les autres vlogs et puis voilà, vous savez quoi faire, commentaires, petite cloche, tout ça. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye, bye.